Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas Dekken, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Aujourd'hui nouvel épisode sur Car Mechanic Simulator, on continue notre aventure. Dans le dernier épisode on s'était fait pas mal d'argent, et comme vous pouvez le voir j'en ai plus. Alors comment cela se fait? C'est relativement simple, en off j'ai bossé, et oui, je vous promets, j'ai préparé du gros. Beaucoup de gros. Je m'explique, dans le dernier épisode, enfin en off, j'ai été récupérer une voiture à la cage, j'ai fait des petites missions, et j'ai restauré une voiture dans sa totalité que voici. Une petite Dodge Charger SRT de toute beauté, donc là j'ai refait vraiment à neuf, hein. Tout a été refait. Actuellement le prix du véhicule tourne aux alentours des 136 000. Et cet argent, on va en avoir besoin. Malheureusement, la voiture, on ne pourra pas la garder. Pourquoi? Parce que je me suis refait un petit peu d'oseille. Et j'ai racheté plein de petites voitures. Alors là, j'en ai qu'une. Vous allez me dire, mais où sont les autres? Et je les ai planquées, forcément. On démarre avec une petite voiture. Alors, bon, c'est l'équivalent d'une Golf. Hein, mais là, le nom, c'est une Eden Jagger. Voilà. Ensuite... une petite 2 chevaux. Voilà, un Volkswagen Beetle Type 1. Ensuite, Ford F-150 moi je l'ai mis en format Raptor. Donc j'ai déjà racheté tous les carénages. Toutes les carrosseries sont ok normalement. J'ai bien normalement. Les intérieurs par contre tout est à refaire. Hein. Sur toutes les voitures. J'ai refait toutes les carrosseries sur toutes les voitures. Et la dernière... petite Chevrolet Camaro, donc pareil, l'extérieur est ok, hormis les roues, hein, bien entendu. Intérieur à refaire et carrosserie, il y a tout à refaire. Hein. Et là, pour le coup, il y a vraiment tout. Et du coup, comme vous l'avez vu, bah, il n'y a vraiment plus rien dans le moteur. C'est quasiment le cas pour toutes les voitures. D'où le pourquoi du comment, on va devoir se mettre au boulot assez rapidement. Hop, on envoie le Ford Raptor ici. Et on va aller revendre la petite Dodge. $152 000. Donc je fais 136 000 de bénéf. On est bien. Voilà. Maintenant, on a du budget. On a des voitures. On va se mettre au boulot. Alors ici... il y a vraiment tout à refaire. Hein. Donc là, je pense qu'on va faire une voiture, un épisode. Après, si on arrive à faire plus, on fait plus, hein, bien entendu. Mais au vu de l'état des véhicules, ça m'étonnerait. Hein. Hop là. Oula. Non, attends, j'ai qu'à tout ça défaire. Ok, la petite rotule, la biellette on peut retirer, cylindre bloc on va retirer tout de suite, hop, sous la voiture, très bien, ça on peut retirer également, comme ça ce côté là il est fini, allez, il faut retirer la roue d'abord, excuse-toi. Donc c'est pareil, tout ce qui est réparable, on tente de réparer d'abord, ce qui ne met pas en remplace bien entendu. À 38%, je sais même pas si c'est récupérable ce truc-là. C'est toujours satisfaisant
de voir une épave remise aux couleurs du jour. Ça fait toujours plaisir. Ah, ça, ça pue, c'est qu'il n'y a pas de vilebrequin en dessous aussi. Ou alors rien n'est retenu. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que rien n'est retenu. Ça me paraît ok ici. La pompe ABS. Bon, là, clairement, il va y avoir beaucoup de pièces à racheter. Hein. C'est bon, on s'occupe de l'arrière. Ah si, aussi. Alors, le temps que j'y pense, je vais... Enfin, en off, j'ai regagné un level. Du coup, on a des P à aller prendre. On regardera juste après ce qu'on peut aller prendre. Normalement, on avait débloqué tout le... Enfin, tout le truc de peinture. Enfin, peinture, restauration des pièces, du moins. Du coup, on était plutôt pas mal là-dessus. Ok, ça, je peux encore retirer. Ça, on peut retirer. Avoir l'habitude. Ça seulement en dessous. Ça, je peux déjà le faire là. Ok, là je crois qu'on ne peut plus rien défaire. Hein. Ça c'est sur le dessous, ici ça on peut. Ah, par exemple, au vu de l'état d'usure de la jambe, je suis pas sûr de pouvoir la récupérer, par exemple. Ok, ah, c'est un bloc, je peux le retirer ici. Donc ça, je peux le retirer, voilà.
Voilà. On va monter la voiture. Ouais. Commençons par l'arrière parce que je pense que le chantier va être moins gros ici. Même si il reste plus grand chose de l'autre côté. Ah, un petit réservoir à carburant. Voilà, toute la boîte de vitesse est à défaire. La butée, le plateau et ensuite le disque. Hop, le petit volant moteur. Alors, enlever le bruit, hein, qu'est-ce qui me dérange encore? C'est tout le bloc moteur, donc ça c'est de par le compartiment. Ok, la voiture est nue. Alors on va réparer ce qu'on peut réparer maintenant. Dans un sale état quand même. Hein. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même se mettre là-bas, comme ça je pourrais voir si je peux faire tourner les disques. Ah, il y en a qu'un que je peux refaire. Oh merde, j'ai cassé une grosse pièce, c'est pas bien. Hop. Alors qu'est-ce qui est cassé là-dedans? Bon, ça on s'en fout.
Bon, au moins, on récupère des pièces. Et c'est vrai que ça, les pièces, j'en avais claqué pas mal dans... Alors, attendez, je vais juste baisser un petit peu, parce qu'à mon avis, ça doit être horrible pour vous. Des pièces, j'en avais claqué pas mal pour une restauration. Alors, je sais qu'il existe des techniques pour aller se rajouter je ne sais trop combien de points. Nous, on a dit, on l'a fait 100% legit. Hein. Ok, c'est bon. Alors, on va remonter ce qu'on peut remonter. Hop, hop. Bloc moteur, j'ai pas. Ça, j'en ai pas, j'ai pas. UCE, non, j'ai pas. Pompe ABS, techniquement, je peux. Batterie, est-ce que j'en ai une? Non. Oh, fusible G, je crois. Ouais, fusible G. Alors, on avait dit que j'avais. Hop. Ça, je peux reprendre 4. Hein. Non, ça, ça doit venir d'un autre truc. Ouais, ça commence ici. Ça, c'est pas ici. Ça, c'est pas ici non plus. C'est là-dedans. Alors, j'ai l'UCE. Et la batterie. Ça, j'ai acheté. Batterie, on peut. ABS, j'ai pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, la boîte à fusibles. Ok. On va la refaire tout de suite à neuf, la boîte à fusibles. Ah ouais, non, ça c'est pas là. Ça commence ici, du coup. Attends, type B, il en fallait combien? Il en faut 3. Ça, il en faut 1. Là, il en faut 3. Type 1. Merde, j'ai pas regardé. Je crois qu'il m'en faut 3. Ah, c'était 2. Type C, il m'en faut 3. Ça, il m'en faut 2. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas. Ah, attends, j'ai ça aussi acheté. Il est où? Ok. Faut le filtre à air. Et il me faut le couvercle. Quoi? Oh putain, ça va être là dans le couvercle. Ça, j'ai pas, je présume. Non.
Il va me falloir les hélices qui vont avec, ça j'ai pas. Ventilateur. Ouais. Ah si, j'en ai une. Ça j'ai pas acheté, je crois, hein, non. Par contre, ça j'ai acheté ici. Ok. Hop, hop. Et le bloc moteur, ça j'ai racheté. Ça j'ai pas. L'alternateur, je n'ai pas non plus. Hein. Ça c'est sûr, c'est ici. L'alternateur, c'est une pièce électrique. Ok, on va mettre un coup la voiture sur le pont. Alors, est-ce que j'ai une traverse avant? J'ai une traverse avant. Porte-moyeu, j'en ai. Alors, silent block, attends. Si une box, je peux déjà en prendre 10 facile. Ok, rotule, j'en ai pas. Et où ma deuxième rotule? On va déjà mettre la billette. Ok, barre stabilisatrice, j'en ai pas. Putain, j'ai rien en fait. Est-ce qu'elle va être rentable cette voiture à la longue? Ok, et je peux encore en mettre un labo. Amortisseur avant. Ouais, j'ai deux amortisseurs à refaire, moi. J'ai les roues aussi à démonter. Est-ce que je peux réparer? Non, je peux rien réparer. Hein. Alors même les gens, je vais pas pouvoir. Ah merde. Je m'attendais quand même à pouvoir sauver les gens, hein. Pour checker. Ah, ici je pense au V3. Là, bah, j'en sauverai que 2. Alors, au niveau des roues, il en faut 2 comme ça. C'est ça. Hein. Et là,
12. Oh, attends. Ah non, j'entrais trop 12 en 15. Ok. 185, 55, R15. Hop. En 85, 55, hein. R15. Ok. Et les jantes. 2 en 15. Ok. Et les amortisseurs, j'ai pas regardé. Alors, ça et ça, c'est bon ici. Il m'en faut deux. Ça, il m'en faut deux. Et deux. C'est quoi, on va faire une voiture Black Edition. Tuc tuc tuc. Bon, j'ai quand même réussi à sauver des pièces, hein. Pas forcément celles qui me coûtent le plus cher non plus, mais bon. Plaquettes, j'en ai acheté 4 normalement. Et des étriers, est-ce que j'en ai? Oui. Roulement de moyeu. Ah non, roulement de moyeu, j'ai pas. Hein. Ça c'est bon, c'est sauvé. Ok. Il me manque quand même un truc pour la roue là, non? C'est étonnant qu'il me propose pas la roue, je sais pas. Pourtant ça. Ça me paraît ok pourtant. Ok, c'est pas grave. On va voir comment c'est foutu. Le vilebrequin, je l'ai sauvé ou pas? Oui. Support, j'en ai. Ça, je peux pas la mettre par en dessous. Non. Il ne peut pas. Alors.
Normalement, c'est cela. Là, ça n'a pas été sauvé. Alors, les arbres à cames, est-ce que j'en ai sauvé? J'en ai sauvé qu'un sur les deux, hein. Ok, ça c'est bon. Ça je peux l'acheter là. Lampe d'injection, je peux l'acheter là. Couvre-culassé ici. Bougie, c'est pas là. Et collecteur, c'est là. On a des vis, hein. Ça j'ai pas non plus. Oh là là. Donc ça me coûtait cher cette voiture. Hein. Non, c'est pas ça. Ah. Filtre, c'est pas là. C'est là. Alors, c'est pas ça, c'est ça. Mais ça, merde. Petite pompe à eau. Ça, c'est sûr que j'ai pas. Là, moi ça me paraît ok de ce côté là, de ce côté là ça me paraît ok. Ah, les bougies,
Eh, on n'est pas dégueu, hein. Ça commence à ressembler à une voiture tout doucement. Je suis en train de me dire, mais ouais, tous les cylindres blocs y sont. Bon, on va lever la voiture, on va voir ce qu'on peut faire en dessous. On commence là-dessous. Alors. Ça, il m'en faut 4. Hein. C'est sûr que j'ai pas. Ah. Turbo. Ah. Oh, depuis le compartiment, t'abuses. Hein. Attends, je l'ai sauvé ou j'ai pas sauvé? Non, je l'ai pas sauvé. Hein. Je crois que j'ai un sauvé dans l'embrayage. Hein. Ouf. Un disque. Hop. Il faut la buter, buter. Ah même ça j'ai pas. Oh là là. Normalement, j'ai le petit démarreur à cliquer dessus. Ouais. Ah non, même pas. Ah, ça, j'ai sauvé par contre. Pardon, j'en ai sauvé qu'un. Merde. Là-dedans? Non, ça n'a rien à faire là. Marthe. Non, c'est une voiture du workshop. Ouais, écoute, on va chercher partout. Hein. Ça m'étonnerait. Non. Non. Attends, du coup, ça se ferait plus? Bizarre quand même, non? Ah bah non, le blanc. Bah pourquoi je l'avais pas tout à l'heure? L'avant, ça me paraît... Enfin, l'avant, ça me paraît plutôt clair, hein? L'arrière, par contre, il y a du boulot. Le berceau, je crois qu'on l'a pas sauvé. Barre stabilisatrice, pas sauvée. Le réservoir, on l'a sauvé? Ah non, même le réservoir, on l'a pas sauvé. On n'a pas sauvé grand chose de cette voiture. Pompe à carburant, j'en avais pas. Non.
Ça, on est bien. Porte-moyeu, c'est bon, les deux sont sauvés. On a sauvé quelques trucs quand même, hein. Ah, j'ai plus de cylindre bloc. On s'est jamais perdu du cylindre bloc de toute façon, je peux en prendre autant que je veux. Je crois que j'ai bien fait de reprendre 10. Ça, on est ok, je n'ai plus rien à mettre là. Place que de moyeu, moyeu arrière. Le petit roulement. Le cache-moyeu, ouais non, le cache-moyeu j'en avais pas. Hein. Ou alors je les ai pas sauvés tout simplement. Bon, au prix où ça coûte. Disque de frein, j'en ai cœur suffisamment a priori. Les plaquettes, il m'en reste 2. Et les étriers, il m'en reste 3, donc c'est nickel. Il y a du boulot, hein. Mais on y est presque, ça va. Après ça, le petit intérieur. La petite peinture. Ah, ça j'ai pu. Auriez-vous une biellette? Là, j'ai pas dû le mettre non plus de l'autre côté, hein. Non, ça m'étonnerait fortement. Qu'est-ce que je disais? Ça s'est sauvé. Et la coupelle, ça passe aussi. Ok. Le petit disque. Avec le roulement. Ok. Les roues, on gérera après. On va déjà acheter l'échappement. Un silencieux arrière. Bim. Merde, c'était là quand même. Hop. Tuyau d'échappement. Ça, c'est bon. Dans le catalyseur, silencieux intermédiaire. Et c'est tout. S'en sort encore pas mal, je pense, pour la voiture niveau prix. Hein. Là, ça me paraît ok. On va la redescendre. Donc, 1000 et rouge, je vois rien d'autre. Hein, donc, c'est déjà pas mal. Voilà, on va aller 2 secondes à l'atelier de peinture. Toi par là-bas.
fallait que je libère la place, forcément. Je l'aurais dû l'envoyer au carouage, mais c'est pas grave. Ça nous laisse un petit peu de place, hein. Alors, j'ai des pièces, effectivement, à faire. De type jante rétro. Je l'ai vu en full black. Ah oui, c'est la Black Edition. Il doit m'en rester une là. Voilà, on a fait 4 jantes, c'est magnifique. On va remonter les pneus. Monter. Ah, c'est ça. Hein. Une black et un standard. Hop. Hop, équilibrage, c'est parti. Ok. Magnifique. Allez, ça part à la peinture. On va peindre sur un noir. Est-ce qu'on peut faire des stickers? On aurait pu choisir la couleur de sticker, oui. C'est moche. Hop là. On va la peindre comme ça, c'est tout. Je vais faire des liserés rouges comme la Golf GTI, mais... Mais a priori, c'est de trop. Alors, il me faut...
intérieur. C'est les plaques France, donc ça c'est nickel. Tuc tuc tuc. J'ai plus que les niveaux à faire, on est bon. Hein. Une voiture comme neuve. Hop. Ok, plus qu'un petit test à faire. Pourquoi elle démarre pas? Ah, parce que je suis à l'intérieur, peut-être. Bah non. Merde, j'ai oublié un truc. Oh le con. Heureusement que je fais le test, hein. Le démarrer, il sera même pas lent. Oh là là. Ok, ça devrait aller bien mieux. Le turbo, mon copain. Alors avec celle-ci on fait plus 56 de plus-value, c'est pas mal, hein, 56 000. Donc on est dans les clous. Et ben allez, bah pour l'instant on va la garder un petit peu. Full black, même les jantes elles sont black. Les feux un peu teintés, ouais ça c'est pareil, c'est pas custom, hein, que ce soit là. Il y a que les vitres que j'aurais peut-être pu teinter, mais j'ai pas encore le truc pour teinter, donc ce n'est pas grave. Bah écoutez les amis, encore un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement à la chaîne, la petite cloche de notification et de me laisser un petit commentaire. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Thomas Deken, je vous dis ciao ciao.